Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué. Un tour totalement automatique, réservé aux membres premium cette semaine. Comme d'hab, je vous fais la démonstration. Et pour ceux qui voudront avoir les explications, ce sera dans la description. Vous aurez le lien de la vidéo explicative. Comme d'hab, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et sur mon école de magie, tutomagie.com. Comme d'hab, le petit pouce bleu, la petite cloche, etc. Vous savez tout. Allez, tout de suite, la démonstration. C'est parti. Allez, c'est parti pour la démonstration de ce tour. Donc, tour qui se réalise avec un jeu de cartes qui peut être emprunté et mélangé par le spectateur. Donc, il n'y a aucune préparation à ce niveau-là. Par la suite, on va faire une petite prédiction. Alors, je vais choisir une carte prédiction qu'on va mettre sur la table. Allez, on va dire celle-ci, là, elle est pas mal. Voilà, on va la mettre de côté, juste ici. Bien en vue, on ne la quittera pas des yeux. Hein. Et ensuite, on va demander au spectateur de prendre le jeu et de faire 3 paquets égaux. Alors le plus simple là, pour faire des paquets égaux, c'est de distribuer les cartes une à une comme ceci. Donc c'est la partie la plus longue du tour, on va dire. Mais ça permet d'avoir vraiment 3 paquets avec le même nombre de cartes. Et ensuite, on va demander au spectateur de choisir une carte à chacun des paquets, la carte de son choix. Vraiment, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc imaginons qu'il ait fait 3 paquets comme ceci. Et on va lui demander de choisir 3 cartes, vraiment 3 cartes différentes, c'est très important. On va prendre, on se contenter que des cartes à points. Donc il choisira dans chacun des paquets une carte à points totalement différente, pas la même valeur. Donc s'il prend un 7 ici, il ne va pas prendre un 7 ici. Vraiment, histoire qu'on ait 3 cartes vraiment totalement différentes. Et pour compliquer la chose, pour pas qu'on puisse dire que je connais certaines cartes, il ne prendra pas celle d'en dessous, hein, puisque je pourrais connaître celle d'en dessous, ou même celle de dessus. Donc vraiment n'importe quelle carte dans le milieu de chacun des paquets. Donc là, je vais le faire hein, à la place du spectateur, mais vraiment, croyez-moi, c'est le spectateur qui fait ça. Donc il prend une carte au hasard, imaginons, on va dire, allez, il va prendre le 3, très bien, 3 de trèfle. Ici, on va dire, allez, le 9, voilà, c'est très bien. Et ici, une autre carte à points, on va dire bah, 2. Ouais, le 2, c'est pas mal. Voilà. Au moins, on a 3 cartes totalement différentes. Donc, le choix vraiment libre, hein, croyez-moi à ce niveau-là. Et ensuite, on va lui demander de récupérer le reste des cartes et en fait de distribuer des cartes par-dessus les cartes qu'il a choisies afin d'atteindre le chiffre, le nombre 12. Donc, imaginons, on est ici 3, il fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ici, 9, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous allez me dire à quoi ça sert, vous allez voir tout de suite. Là, on récupère ces paquets comme ceci et on demande au spectateur de prendre connaissance en fait, de la valeur des cartes. Donc là, on a un 3 plus 9, donc 9, 10, 11, 12, ça fait 12 et 2, 14. Et là, on va lui demander tout simplement de compter 14 cartes et de prendre la 14e carte du jeu qui est maintenant juste ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Juste ici, on a une carte. Vous êtes d'accord qu'après avoir fait tout ça, vraiment, c'est le jeu a été mélangé au départ, le spectateur a choisi les cartes de son choix, les valeurs de son choix. Moi, ces valeurs-là, je pouvais ne pas les connaître. C'est ça qui est très fort, c'est le spectateur qui aurait pu tout faire ça, tenir tout le jeu, etc. Vraiment à ce niveau-là. Moi, je sors uniquement la prédiction au départ hein, et je le guide et c'est lui qui fait tout. Et là, le spectateur finit par tomber sur une carte. On va vérifier la carte, ici le 6 de pique. Souvenez-vous qu'au départ, j'ai une carte en prédiction. Ça serait fort que cette carte corresponde exactement à la jumelle de la carte qu'il a choisie après toutes ses coupes, ses mélanges, etc. Et bien entendu, tout peut être laissé à l'examen, il n'y a absolument rien à voir. C'est vraiment génial et 100% top.